conservatoire, j'ai repris mes études de formation musicale. D'ailleurs, je vous encourage à bien travailler votre formation musicale, c'est très très important. Et ça me plaisait beaucoup, d'ailleurs, même à un moment donné, je me suis dit, ah, j'aimerais bien devenir prof de formation musicale, parce que j'ai une super prof, et à chaque fois qu'on a des super profs dans la vie, ça donne envie de faire pareil. Donc voilà. Et finalement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire les deux très bien. C'est-à-dire que quand on veut vraiment faire quelque chose dans la vie, bah, il faut se donner à fond. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je choisisse entre la philosophie et la musique. Et là, j'ai choisi la musique parce que c'était ce qui me plaisait le plus comme activité dans ma vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me rend le plus joyeuse, le plus heureuse? Alors, j'aime beaucoup lire des livres, mais jouer de la musique, c'est quand même mieux. Et voilà, c'est à ce moment-là, donc, j'avais... À quel âge? J'avais 21 ans ou 22 ans, je crois, quand j'ai décidé de devenir professionnelle. Mais j'avais déjà, je faisais déjà des concerts, déjà une activité musicale un peu intense. C'est juste qu'il a fallu à un moment donné faire le choix de le faire vraiment beaucoup pour bien le faire. Alors, j'aime beaucoup ta question parce qu'elle a un rapport aussi avec l'œuvre que vous êtes en train de travailler. C'est vrai que la suite en Daman, elle est, comme vous avez pu voir, très imprégnée, même s'il n'y a pas des paroles tout le temps, elle est très imprégnée par cette histoire de voyage. Hein. Et en fait, quand on m'a demandé d'écrire de la musique pour ce projet, on m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais. J'avais carte blanche. Je devais écrire 20 minutes de musique pour un orchestre symphonique, plus un big band, plus un chœur. Et à l'époque, j'avais beaucoup rêvé d'Asie, dans ma vie personnelle, j'avais très envie d'aller en Asie. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'aller faire un voyage là-bas et d'essayer de m'en inspirer pour écrire cette musique. Mais on n'est pas obligé d'aller quelque part pour écrire de la musique. C'est-à-dire, l'imagination, c'est quand même très important. On peut la nourrir autrement qu'en allant quelque part. Surtout en ce moment, c'est un peu compliqué de voyager. Vous n'êtes pas obligé d'aller quelque part en Espagne pour écrire un truc sur l'Espagne. Donc, ce que je voulais montrer, c'est que je me suis inspirée donc de là-bas, de ce voyage, et je suis partie avec des partitions. Je suis partie avec mon petit clavier pour écrire de la musique, un petit clavier électrique que j'ai branché sur mon ordinateur, et des disques. Enfin, des disques qui étaient dans mon ordinateur. Et... chose très très importante aussi pour créer la musique, c'est avoir des belles sources d'inspiration. Donc je vous ai apporté ça pour vous voyez. Il y a Sherazade de Rimsky-Korsakov, qui est une œuvre vraiment magnifique, magique, et je trouve que c'est vraiment le grand maître de l'orchestration et des couleurs, etc. Donc ça, j'avais envie de m'en imprégner pour écrire la musique. La mer de Debussy, évidemment, puisque j'étais au bord de la mer et que j'avais envie d'avoir des couleurs orchestrales qui évoquent un petit peu la mer, donc je me suis pas mal inspirée de Debussy. Et Stravinsky, Le Sacre du Printemps, que vous connaissez certainement, qui est une œuvre super importante, qui a été écrite au début du XXe siècle, donc il y a très longtemps, il y a 100 ans déjà, plus de 100 ans, mais qui est hyper forte à la fois pour les couleurs de l'harmonie et pour le rythme. C'est vraiment un maître du rythme. Et donc, qu'est-ce que je faisais? J'étais là, au bord de la mer en Thaïlande, et puis j'écoutais Le Sacre du Printemps en regardant les partitions. Et je me disais, ah tiens, ça j'aime bien, qu'est-ce qu'il a fait là, etc., etc. Donc l'inspiration, c'est les voyages, mais c'est aussi tout ce que vous avez à votre disposition de musique qui existe déjà, en fait. Ça, c'est important. Si je l'ai vraiment vécu. Oui, j'ai été au bord de la mer le matin, j'ai été au bord de la mer le soir, je me suis baladée dans la montagne à dos d'éléphant, j'ai pas vu de jeune fille pleurer, ça j'ai imaginé. Et puis il y a des pagodes, alors ça se passe autour d'une pagode, là, le troisième mouvement. Mais non, ça on va dire c'est plutôt une construction romanesque, parce qu'en fait j'avais envie de faire un tableau à la fois visuel et temporel en fait. C'est ça qui m'intéresse. Bon, alors, ça, selon les compositeurs, tu vas avoir des réponses très très différentes. C'est-à-dire que y a des personnes qui ont peut-être une méthode de composition très claire, très nette. Tous les matins, j'écris 15 mesures, entre 8h et 8h15. Voilà. Bon, moi, je suis pas du tout comme ça. Parce que, d'une part, j'ai une vie avec pas mal de rythmes différents, en fait.
surtout quand on fait du jazz, normalement on joue aussi ses propres compositions, donc on est là, parfois on est en tournée, parfois on est en train de répéter, on peut pas composer forcément tout le temps. Donc il y a ça qui change beaucoup, et puis surtout, à chaque fois que j'écris une œuvre, j'ai l'impression que j'ai jamais écrit de musique. J'ai l'impression que c'est la première fois. En fait, j'ai pas de recette magique. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vois ma page blanche là avec les portées. Alors, on va réfléchir. Et puis, ça se passe de plusieurs manières différentes. Alors, maintenant, je commence à avoir un petit peu d'expérience quand même. Donc, si tu veux, je peux te dire qu'il y a certains morceaux qui sont inspirés par un motif mélodique. Donc, j'ai une mélodie dans la tête. Je me dis, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre comme accord pour aller avec? Et donc, je cherche, souvent, je suis au piano. Plus souvent au piano qu'à la table. Parce que j'aime bien. Par contre, ce qu'il faut, c'est beaucoup d'imagination. C'est-à-dire que quand j'écris pour guitare ou pour violon, quand je joue sur mon piano, c'est pas le piano que j'entends, c'est la guitare, c'est le violon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les timbres des instruments qui remplacent le son dans mon esprit, en fait. Et donc j'imagine l'orchestre avec tous les timbres différents. La suite en Daman, vous avez remarqué, il y a un motif qu'on retrouve dans les deux mouvements que vous avez joués, qui est simplissime, où il y a deux notes. Hein. Da, dé, da, dé. Ça, vous l'avez dans le premier, ça fait da, té, ta, dé, ta, 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 da, da. Donc il a pris un rythme différent. Dans le quatrième mouvement, ça commence par des noirs teintés. Da, dé, da, dé. À un moment donné, ça devient des noirs. Vous avez vu, quand ça devient binaire, c'est des noirs, mais c'est toujours le même motif. Et en fait, j'ai tout construit, pratiquement toute la. Enfin, en tout cas, le premier et le quatrième mouvement, autour de ces deux notes. C'est chouette, ça donne envie d'être un peu développé peut-être. Faudrait que tu essayes de voir. Tu as un piano chez toi? Non. Tu composes dans ta tête et au violon. Tu vois par exemple, alors ce serait ce que Joshua a déjà commencé à faire. Vas-y, rejoue le début. Rythmique,
Tu peux essayer de faire. Alors, au début, on a le petit ostinato. Okay, on est comme dans une petite comptine. À un moment donné, il pourrait se passer quelque chose de différent. Du style, au lieu de faire ton ostinato, tu fais tout d'un coup quelque chose. Et par exemple, une phrase de violon qui répond. Je sais pas, quand tu rentres, qu'est-ce que tu joues déjà? Vas-y, joue-le-moi. Faire une mélodie plutôt que de faire toujours le petit motif. Ça, c'est ton motif de départ. Et bien ensuite, si par exemple il fait ça, tu pourrais partir dans une mélodie plus aiguë par exemple. Tu vois? Et tu prendrais un chemin mélodique par exemple, et ensuite tu réponds sur l'autre accord. Déjà, juste ça au milieu de ta composition, ça ferait un événement. Tout d'un coup, on casse la petite machine, la petite boîte à musique. On se dit, ah tiens, qu'est-ce qui va se passer? Et après, tu peux repartir.
Thank you.